Hey everybody, it's JP, and tonight we're doing my beef risotto, which is very quick, and it will be a 20 minutes cooking time with it. Bonjour tout le monde, ce soir avec JP, on fait le risotto au beef. Ça va prendre à peu près 20 minutes pour la cuisson. Alors, on va commencer avec les ingrédients. So we got Sirloin beef, du contrefilet, got mushrooms, des champignons, 1 cup of risotto rice, une tasse de risotto. Du riz, we've got some garlic, de l'ail, 1 onion, un oignon, some tomatoes, des tomates, 2 leek, 2 poireaux, we've got some French mustard, whole cumin mustard, de la moutarde, we've got some black pepper, du poivre, we've got some olive oil, de l'huile d'olive, de la crème, cream, we've got some salt, du sel, and a little bit of white wine, which is du vin blanc. Okay, well, we're going to start straight away, okay, by preparing things for the risotto itself. So, on va commencer tout de suite avec le risotto. Il nous faut une poêle. We need a saucepan. Okay, so let's cut the onion. So, I'm just checking because my recording system actually broke down today, which was a bit of a disaster. There we go. So. On épluche l'oignon. So we do the onion. Now we're going to have to cut in small, very small pieces. Il va falloir couper l'oignon en petits morceaux. Voilà. Petit morceau pour l'oignon. I'm watching French TV now, you see. And it's quite nice to actually go back to your roots. Je mets maintenant la télévision française à la maison, qui est très bien. C'est ce qui fait que je peux regarder la télévision. Française avec toutes les émissions préférées. Donc, on coupe l'oignon en petits morceaux. So we cook the onion on small pieces. Okay. So finish in small pieces like that. Not too small, don't worry too much. Pas trop petit. Enfin, petit, mais pas trop trop, vous inquiétez pas trop. Et I'm crying et je pleure. Comme tout le temps, avec les oignons. Ok. So. Voilà, c'est presque fini. Ok, we take our saucepan and we put some olive oil. On prend la poêle et on met de l'huile d'olive. Ok. Some salt, si je la monte. On met du sel comme d'habitude. And some black pepper. I'm really crying now. Vraiment, je pleure vraiment parce que c'est les oignons qui me font pleurer. Voilà. Ok. We put it on the stove. Full heat. On le met sur la gazinière. On met plein pot sur le feu. Ok. We're going to do the garlic. On va faire l'ail. Il nous faut 3 morceaux d'ail. So 3 cloves, 3 pieces of garlic. There we go, I put 4. I put 4 just because it's quite tasty. So we put the garlic. We peel the garlic. On épluche l'ail. Voilà. It's been a beautiful day today. In London, it's been quite warm, but rain is coming. Il a fait très beau aujourd'hui à Londres, mais la pluie arrive bientôt. Apparemment, il va faire très froid également. And apparently, it's going to be very, very, very cold. But summer is coming. So I believe. OK. So, nous avons l'ail. Nous allons couper en petits morceaux. I'm going to cut it in small pieces. OK. Just small pieces, so juste des petits morceaux, comme vous voulez. Moi, je le fais comme ça. I do it also that way, but you can do it any way you want. I can hear the onions. J'entends les oignons qui rissolent. C'est très bien. Okay. Recording.
I keep checking the recording because my recording system broke down today. Je vérifie mon équipement pour la vidéo parce que ça est tombé en panne. Donc il faut que ça marche tout le temps. Ok, so we got the onion and the garlic. So on a les oignons et de l'ail. Ok, we're going to do the mushrooms, so les champignons. Small pieces. Un petit morceau. Okay. We don't want too many mushrooms. On ne veut pas trop de champignons. On va en mettre 5 ou 6. We're going to do 5 or 6 mushrooms. Okay. Okay, voilà pour les champignons. That's it for the mushroom. Give good stir on the onion and garlic. Assurez-vous que les oignons et l'ail ne brûlent pas au fond de la poêle. We put the mushroom in the saucepan. On met les champignons dans la poêle. Et on va laisser cuire un petit peu. Ok. La prochaine chose qu'on va faire, c'est les poireaux. On coupe les poireaux. J'enlève toujours les poireaux. I always take the first leek, just the first leaf, just because you don't know where it's been. There we go. They are produced God knows where, so you never know. As you don't know where they are coming from. Comme vous ne savez pas d'où ils viennent, il faut toujours, j'enlève toujours la première feuille. Donc, oui, on coupe les poireaux en petites rondelles. Ok, on va les mettre dans la poêle. Et on va réduire un petit peu le feu. So, we reduce a little bit the heat because we don't want it to burn. So we put the leek in there. Okay, and the last thing we have to do is to do the tomatoes. On va faire les tomates en dernier. So, pareil, en petits morceaux. So, small slices for the tomatoes. Like so. It's looking very good. One more. Okay. I didn't put any parmesan in this risotto because I don't think it works with the beef. But if you want to put some parmesan, by all means. J'ai pas mis de parmesan sur le risotto. J'en mettrai pas. Mais si vous voulez en mettre, vous pouvez toujours mettre un petit peu de parmesan sur le risotto. Okay. So maintenant, on va mettre les tomates dans la poêle. So we put the tomatoes in the saucepan. Ok. Et on va remettre le feu à plein fond. So you put the heat back on full. Ok. And we're going to let it simmer for a wee little bit. And we're going to let it... on va faire... C'est cuire pendant un petit moment quand on prépare le bœuf. Now for the beef, you need a nice sharp knife. Pour le bœuf, il faut que le couteau soit bien aiguisé. Vous enlevez le gras. So you take all the fat and the nerves, like so. Et on va le couper en deux petites tranches. Donc vous prenez dans le milieu et vous coupez en deux. So you take in the middle and you cut it in half to make two slices, like so. Okay, put a lot of nerve in this, so that's one. And I'm going to do the other one. Just check the
onions and rest. On vérifie les oignons. So we don't fait la même chose avec celui-ci. So you do the same thing with this to take all the fat and the nerves, okay? And then you take it together and you cut it in half. Careful not to cut yourself when you do that, because you can't really see the flesh of the beef and yours. Faites attention quand vous coupez, pas vous couper la main. Okay, that's two. It's different, but it's the same cut, so it's just because it's obviously from two different cows. C'est la même chose, mais c'est comme des vaches différentes. Donc la couleur est un petit peu différente. Donc on a notre bœuf qui est ici. We've got our beef, which is ready here. And we're going to do some black pepper, un petit peu de poivre noir sur le bœuf. Un petit peu de sel. Pour cela, j'utilise du sel fin. For this, I use a fine salt. But if you don't have fine salt, just use normal rock salt. It's fine as well. Okay. La même chose de l'autre côté. The same thing on the other side. Okay. And a bit of black pepper. Okay. Now, I can hear the vegetables getting ready. Yeah. So what I'm going to do, I'm going to put some white wine. So les légumes sont presque cuits doucement. On va mettre du vin blanc. So une tasse à peu près, juste pour le fond de la poêle. Okay. On va laisser chauffer pour un petit moment. Let's just let it cook for a little bit. And on va prendre de la moutarde. Oh, avec une cuillère qui rentre dans le pot de la moutarde, voilà. Et on va mettre la moutarde sur le bœuf. Comme ça. Okay. So what we're going to do, we're going to cook the risotto next. And when the risotto is done, we will, after 20 minutes, come back and cook the beef together. And the risotto will be ready at the same place. Okay, so beef is covered with mustard. So we're going to let this like this for 20 minutes so we can actually take the test of the mustard. Now we're going to put a couple of olives. Now only put a few olives in there. On va mettre quelques olives. Si la cuillère rentre dans... Actuellement, je vais faire comme ça. Je remettrai le jus. So, des olives, on les met entières. So, you put the whole olives together in there. I'll put the juice back in the pot, so it keeps the olive fresh. Je remets le jus dans la bouteille. Ça, comme ça, ça reste très frais. Okay, so... What we're going to do, we take our rice, one cup of risotto rice, une tasse de risotto. On le met dans la poêle. On mélange un petit peu. Et on va remplir avec de l'eau chaude. On fait couler un petit peu l'eau chaude. Et on remplit la poêle complètement. Donc si vous avez une petite poêle plus petite, vous en mettez un petit peu plus. So, un... et 3. Ça devrait aller. Là, un petit peu plus, je vais en mettre 4. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va le laisser bouillir tout de suite. Et après ça, on va le laisser cuire doucement. Enfin, on réduit à moitié pendant 20 minutes. Ok, so we're going to let it boil first, then we're going to reduce it after that. To let it cook slowly, not too slowly, but slowly enough for 20 minutes. Okay, so we leave our beef there as it is. So we're going to press pause, wait for 20 minutes, come back in 20 minutes and finish the cooking of our risotto. Then we'll cook our beef at the same time. So on va laisser bouillir. Dès que ça bouille, on réduit tout de suite. On va laisser cuire pendant 20 minutes et on se voit dans 20 minutes pour la suite du programme. À bientôt.
Hey everybody, it's been 20 minutes. Ça fait 20 minutes qu'on a fait cuire le risotto. It's been 20 minutes for the risotto. So what we're going to do now is cook the beef and then serve it. So, we put a bit of olive oil, un peu d'huile d'olive dans la poêle. Okay. So I'm going to wash my hands. In the meantime, what we're going to do is we're going to put a little bit of cream in the risotto. Not too much, but a little cream. So on va mettre un petit peu de crème dans le risotto. On va mélanger. C'est bien chaud, c'est bon. Look at that. Ça a l'air très très bon. Ok, sur le risotto, on va laisser chauffer doucement. Et on va mettre le bœuf dans la poêle. So, on s'assure qu'il y a de l'huile partout dans la poêle. Make sure you got plenty of oil. And what we're going to do, we're going to put the beef with the mustard down first. So, avec le bœuf, avec la moutarde d'abord dans la poêle. Ça, voilà. Un. Deux. Trois. Et quatre. Which is one, two, three, four. That's in English, of course. So, we're going to cook this for a few minutes, not too much. Oh, hold on. I think there is somebody coming in. So we're cooking this not too much. There we go. So, on ne fait pas cuire pendant trop longtemps. Just enough to give a bit of color. Juste assez pour faire un petit peu de couleur sur le bœuf. Maintenant, on va tourner. Comme ils sont très fins, ça va aller très vite. As it's quite thin, it will go quite quickly. Okay, so now we are ready to serve. So, what we're going to do, risotto is ready. Yeah. We're going to take our risotto, take our plate, on prend l'assiette. And then we serve. So the risotto on one side, so the risotto sur un côté, comme ça. Voilà, demi. Et on va prendre le bœuf. Et on va mettre le bœuf sur le côté. Comme cela. Et voilà. Donc voilà notre risotto avec bœuf, risotto with beef. Hope you enjoy it. It's a beautiful meal and I shall see you soon for another dinner with JP. So, le bœuf avec le risotto, j'espère que vous l'avez bien apprécié et on se revoit bientôt sur un programme avec Dinner with JP. À bientôt.